Je commence par appliquer du correcteur sur mes cernes ainsi que sur ma paupière mobile, ce qui va me servir de base pour les fards à paupières plus tard. Je viens aussi mettre du concealer sur les endroits où j'ai des petites rougeurs, des petites imperfections. Après cela, je vais venir mettre de la poudre compacte translucide sur le concealer afin qu'il tienne plus longtemps. Je continue avec mon fond de teint en poudre libre que je vais appliquer sur tout le reste de mon visage. Pour apporter un peu plus de couleur, je viens appliquer du bronzer, donc sur mes pommettes, en dessous de mes pommettes, sur ma mâchoire et aussi sur mon front afin d'uniformiser la couleur de mon visage. Je viens creuser le creux de mes paupières avec une couleur qui est équivalente à la couleur de votre bronzer. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser votre bronzer. Encore une fois, pour harmoniser tout ça, je viens aussi mettre cette même couleur au ras des cils inférieurs. Je remplis évidemment mes sourcils. Moi, j'utilise un fard à paupières pour le faire. Puis, je viens les brosser. Lorsque mon teint est fait, je m'attaque aux yeux. Donc, je vais prendre une couleur irisée. Prenez la couleur de votre choix, de la palette de votre choix. Et on va tout simplement venir la poser sur toute la paupière mobile. J'ai opté pour une couleur assez dorée car je trouve que ça rappelle beaucoup Noël et les fêtes. Donc, j'ai aussi mis cette couleur au ras des cils inférieurs. Puis je reviens avec ma couleur de départ, donc que j'ai utilisée pour le creux, et je viens tout simplement estomper la couleur afin de la rendre un peu plus en harmonie. Lorsque cela est fait, je viens avec un fard à paupières noir, placer le fard à paupières au ras des cils supérieurs, mais vous pouvez tout simplement utiliser un eyeliner si vous le désirez. Je viens ensuite estomper le fard à paupières noir que j'ai posé. J'applique mon mascara préféré. Puis, je viens mettre du blush, donc celui que vous préférez. Puis, je finis par du rouge à lèvres rouge afin de rappeler les couleurs de Noël. Ce maquillage arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour ce soir, puisque aujourd'hui, nous sommes le 24 en Nouvelle-Zélande. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de Noël avec vos familles, les personnes que vous aimez et je vous dis à bientôt.